Yes. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Attends, c'est pas à toi encore. Allez, reviens, reviens. Bon, dernière tentative. Si jamais on réussit, je t'afficherai la photo sur ton écran juste après. Vas-y. Oh, c'est stylé! Tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Bon, on y va? Yeah. Allez. Alors, c'est ça ta cabane? Ouais. Ouais, excellent. C'est trop beau. Hein. Bon, on va découvrir le lieu. C'est Elodie qui l'a trouvé. Yes. Waouh! Non, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Salut. J'espère que tu vas bien. Attends, c'est pas à toi encore. Allez, reviens, reviens. Et quand je te dis. Oh, bref, ouais, on verra, on verra. Si, en fait, voilà, on je te parle normalement, tu vois. Okay. Je te parle normalement. Ok. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance photo. Non, j'allais bien le dire là. Bah, mets-toi de dos. Voilà. Et tu te retournes quand c'est ton tour. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une séance photo en lumière naturelle avec Elodie qui peut pas encore regarder la caméra parce qu'elle arrête pas de rigoler. Allez, viens, Elodie, maintenant. Tiens, présente-toi un petit peu. Salut, dis moi bonjour. 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 Ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, ça va. Ouais. Non, moi, okay. C'est Elodie. T'es contente d'être là? Ouais, je suis contente d'être okay. Là. Ça se voit, non, j'arrête ouais, pas de rigoler. Effectivement. Du coup, moi, c'est Elodie. J'ai repris la photo depuis 2 mois. Voilà, ça faisait 3 ans, je crois, 4 ans que j'en faisais. J'avais un peu arrêté, mais c'est reparti. Ça marche. C'est parti, maintenant. On fait quoi du coup? Bah, c'est à toi de me dire. Ok, je sais pas. On peut utiliser, soit on commence par l'extérieur, soit on fait tout de suite à l'intérieur. Autant en profiter quand tu peux pas. À faire l'extérieur? Ok, ouais. Ça marche. Bah vas-y. Quelques plans en extérieur alors. Let's go. Vas-y, place-toi par là comme ça. Tranquille. Regarde juste ça, juste comme c'est stylé, regarde. Voilà, c'est bon, on a gagné. On rentre. Ouais, c'est bon. Du coup, faut vraiment que tu nous oublies. Okay. Donc t'es un peu toute seule et puis on va dire juste tu pars de là-bas, tu vas jusque là si tu veux. Fais attention à là, il y a un gros chardon donc on marche peut-être pas ici là. C'est ça, du coup quand t'es là, mais je marche fais... normal ou je fais des trucs bizarres? Non, fais des ouais voilà, sois un peu chelou. Attends, je réfléchis. Voilà, juste marche pas en ligne droite, genre en gros je vais d'un point A à un point B, oui. Tu vois. Marche en dansant si tu veux, en tournant, tu vois, ouais. Entre tournant. Tout à l'heure même quand je t'ai dit recule un peu, t'as marché comme ça. Du coup, tes cheveux, ils étaient au vent et tout. Déjà, même ça, rien que ça, c'est cool, tu vois. Donc, on n'a pas besoin... Ok. Vas-y, quand tu veux. Yes. Viens un peu vers moi. Sans me regarder. Ça ne bouge pas. Vas-y, refais ça. Ouais. Voilà. Attends, bouge plus. Viens un peu vers moi. Sans me regarder, toujours. Ok. Excellent. Ah, c'est cool. Ah, j'ai limite envie de me foutre en noir et blanc là. C'est encore un peu trop joyeux. Tu vois ce que je veux dire? Genre en gros, je me balade dans la prairie et tout. Alors que je préférerais peut-être un truc un peu plus... Dark. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu plus solitude quoi, tu okay. vois. Genre t'es venu ici un petit peu pour te réfugier, pour penser un peu sur toi-même et tout. Donc voilà. Ce qui va sûrement vouloir dire que tu bouges aussi un peu moins vite, okay. tu vois. Et que du coup, tu ne souffres pas forcément avec une expression un peu... Parce que là, même si tu ne souriais pas, on sentait quand même un petit peu la joie. Bah, tu vois, c'est ce qu'on avait la dernière fois comme problème. Tu sais, bah oui. Ouais, ouais. J'étais trop heureuse. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que tu te désheureutises. Ok. Ok. Ça ira, tu penses? Ah oui, oui. Ouais, oui. Ok. On va voir ce que ça donne. Si toi, ça ne t'inspire pas de faire un grand mouvement qui n'est pas heureux, bah, ne fais pas de grand mouvement. Et si tu arrives à trouver un grand mouvement qui te semble naturel et qui n'est pas heureux, tu peux. Ouais. Vas-y. Et mets-toi un peu de dos. Yes. Vas-y, reviens. Ouais. Ok. Yes. Ouais, pars de l'autre côté maintenant. Ouais, les mains un peu sur le à l'arrière du dos. Yes, très bien. Ok.
va retourner un peu vers la cabane. Peut-être exploiter un peu l'extérieur de la cabane. J'ai pas trop envie de faire le plan, tu sais, où je la mets elle devant la cabane. Je trouve qu'il est un peu trop obvious. Donc on va essayer de faire plutôt autre chose. Tiens, peut-être moi me mettre dans la cabane et toi rester à l'extérieur. Ok ? On va essayer de faire ça. Vas-y, ben reste là toi du coup. On va voir ce que ça donne. Ouais, bah je vais inclure. Je vais faire un espèce de cadre dans le cadre avec les portes. Et puis toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux aller t'amuser un peu dans la zone là. Je vais te dire où. Vas-y, encore. Ouais, là c'est bien. Vas-y, amuse-toi là. Ah là, là c'est mieux ça. Reviens un peu par ici vite fait. Très bien. On va en refaire vite fait. Vas-y. Vas-y, on continue encore un peu. Shoot avec tes pieds si tu veux. Yes, excellent. Très bien. Yo, j'ai un petit message pour toi. Trois jours après la publication de cette vidéo, donc celle que tu es en train de regarder, donc le mercredi 26 mai à 21h, je serai en live sur cette chaîne YouTube. Donc si tu as envie de prolonger encore un petit peu plus le plaisir de cette séance photo, eh bien, je t'invite à venir à ce live. On pourra discuter tranquillement toi et moi. Si jamais tu as des questions, tu pourras me les poser à ce moment-là et j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Donc voilà, si jamais tu as envie d'étendre la bonne ambiance que tu peux retrouver dans cette séance, eh bien, je t'invite à venir sur le live mercredi soir. De toute façon, je te le rappellerai en story sur Instagram ou par email si jamais tu reçois les mails de Somme Pictures. Bref, je te laisse retourner à ta vidéo maintenant. Alors côté matos, j'utilise un réflexe Nikon D750 et là j'ai un 35 mm dessus. J'ai aussi avec moi un 85 mm. Pour l'instant, c'est plutôt le 35 que je vais utiliser parce que j'ai plutôt envie de montrer un petit peu d'environnement. Mais à mon avis, on pourra utiliser le 85 mm un petit peu après pour faire des petits close-up d'Elodie. Voilà. D'ailleurs, tu peux la filmer, regarde, la lumière est très belle ici. J'aimerais bien t'inclure quand même vite fait avec la cabane, tu vois. Peut-être, peut-être en mettant très loin. Du coup, est-ce que tu peux t'adosser un peu peut-être Tu peux t'adosser contre? Ok, vas-y, yes. Ouais, mais plus comme ça, je préfère, tu vois. Comme quand t'as rigolé, ouais. Regarde sur ta droite. Yes. Essaie de décaler les jambes un peu. Ouais. Essaye l'inverse. Non, c'était juste pour pas qu'elles soient tous les deux pareilles, tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas clair. Je te l'accorde. Regarde devant toi. Ouais, c'est un peu trop figé. Qu'est-ce que je pourrais te faire faire? Mets-toi plutôt... mets ton épaule droite contre... Essaie de pas trop te figer. Essaie de bouger peut-être avec ta jambe en même temps. Ou un truc comme ça. Ouais, voilà, comme ça, c'est bien. Ok. Ok, avance un peu le long de la paroi. Voilà. Ok. Vas-y, on peut faire la même. Vas-y, tu peux lever un peu plus haut la jambe. Yes. Excellent. Du coup, on va en faire encore une petite. Tu peux te remettre de dos. Ok, regarde devant toi. Essaie d'enlever un petit peu de cheveux ici. Yes. Peut-être un petit peu moins figé. Yes. Cool. Ok, bah vas-y, cette fois on va vraiment aller dedans. Et j'ai pas utilisé le 85 encore, alors que j'ai 2-3 idées. Ça c'est con là, près de la fenêtre, y a trop de bordel. Faudrait que tu rentres en fait. Ok, et quand tu rentres, tu regardes en l'air genre, waouh, wow, dans quoi je viens de rentrer, tu vois. Peut-être moins émerveillé, peut-être plus... Oui, c'est ça. Faut qu'on me quitte. Ouais, un peu plus genre mystérieux un peu, ou tu vois, vas-y. Ouais, un peu plus comme ça. Ok. T'es prête? Ouais. Vas-y, recule un peu si t'arrives. Vas-y, quand tu veux. Va doucement. Lève plus. Vas-y, rentre. Yes. Ok, vas-y, maintenant tu peux refaire la petite entrée. Vas-y, va doucement. Regarde un peu dehors. Ouais, par là-bas, ouais. Par là où t'es rentré. Ok. Yes. Excellent! C'est cool, c'est cool. Bon, du coup, on a déjà fait quelques plans, je pense, assez sympas au 35 mm. Donc, on va terminer sur des plans au 85 mm. Peut-être un peu plus close-up visage avec un beau modelé. Je pense que ça peut être sympa avec la lumière qu'on a aujourd'hui. Donc,
On y va. T'es toujours contente? Je suis toujours contente. Nickel. Allez, go. Bon, on switch. J'ai un objectif macro aussi. Je sais pas si... C'est que j'ai dit tout à l'heure que j'avais que le 35 et le 85, mais j'ai aussi un 105 mm macro. Mais comme j'utilise quasiment jamais, voilà, je l'ai pris au cas où. Mais en général, je fais jamais de photos avec. Du coup, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu l'as acheté? Ben, je l'avais acheté pour tourner un espèce de clip qui devrait normalement un jour sortir sur la chaîne YouTube. Ça fait quasiment un an que je le dis. Mais bref, allez, on y va. Ok, on se met en noir et blanc. Et voilà, c'est ouf. Tu peux essayer de te mettre dos à ça, sans forcément le toucher là, juste pour que je vois ce que ça donne. Ok. Le fait de ne pas avoir fait de séance photo pendant tellement longtemps, et du coup là, tout m'inspire, tu vois. Alors que je suis dans un lieu tout bête, entre guillemets, mais tout m'inspire. Et du coup, tous ces mois-là sans créativité un peu, alors que ça me manquait, bah, du coup là, je peux faire des photos pendant 4 heures, là, si tu veux, tu vois. À l'aise, et ça fait du bien. Sur les deux appareils, j'étais en balance des blancs 10 000 Kelvin. Tu sais, faut croire que j'aime bien les rendus chauds en ce moment. Ok. Et tu le pré-règles? Ouais, des fois, juste pour avoir une meilleure idée de ce que ça va donner en post-traitement. Ouais, non, mais vas-y. Je te préviens, t'inquiète. Poker face. Vas-y, me regarde pas. Le truc, c'est que c'est beau. Ouais, c'est une espèce de beauté. Alors que moi, j'ai besoin de ce petit truc en plus, tu vois. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai besoin d'un petit truc en plus. Ok. Vas-y, essaie de bouger un petit peu. On la reste pas trop... Ouais, reste pas trop figé. Vas-y, change de côté si tu veux. Ah, attends, c'est cool ça. Vas-y, repasse. Ouais, vas-y, joue un peu entre les deux portes, comme ça. Bouge pas. Yes, très bien. Vas-y, continue. Nickel, on va en faire quelques-unes dehors. Ok, sois perdu. Comme d'hab. Vas-y, recule un peu. Ok. Viens un peu vers moi sans me regarder. Vas-y. Regarde un peu vers le soleil, si tu vois où il est. Bouge plus. Très bien. C'est beau. Ok, bon, on fait la tentative au flash. Alors du coup, là, on va tenter un dernier setup. Vu qu'il y a des trous dans la cabane et qu'il n'y a malheureusement pas de soleil, avec un flash, pour que du coup, ça puisse passer à travers, et on va voir ce que ça donne, en espérant que ça donne des bonnes choses. Bon, du coup, on essaye de faire cette fameuse photo au flash avec les raies lumineuses qui passeraient à travers les planches de la cabane. Mais pour ça, on a besoin de particules, donc on a besoin de poussière. Alors, Elodie, elle s'est déjà pris pas mal de poussière sur la tête, mais ça n'a pas trop marché. Donc on va essayer de marcher un peu. Apparemment, elle connaît un endroit où il y a du sable. On va essayer de prendre du sable, de le ramener avec nous et de le ramener dans la cabane. Et on va voir si ça va fonctionner. Donc, c'est parti. Voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Et Elodie ne sait plus où c'est. Donc on prend pas le chemin rouge alors. On prend pas le chemin. Ok, let's go. Vas-y, on te suit. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Je pense. Vas-y voir. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, là. Ouais, il y en a même trop, tu sais. Ok, bon, je pense que c'est pas mal, non? Ça marche. Bon, oh, ça fait de l'auto-bronzant. Bon, eh ben, c'est bon. On a réussi. On a cette poussière. Maintenant, va falloir bien placer la lumière et... Et il va falloir étouffer Elodie, malheureusement. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que c'est Elodie qui va jeter elle-même la poussière. Tu vas jeter, et on va voir ce que ça donne, dans quelle direction il faut jeter, etc. On va voir si ça marche. Allez, go. Vas-y, quand tu veux. Vas-y, on peut refaire, mais il y a une bonne idée, je pense. Par contre, il faudrait juste que tu... Là, t'as jeté un peu par là, je crois. T'as jeté un peu par là. T'as vraiment jeté par là. Il faut vraiment jeter derrière. Yes. Yes. Ok. Comme la lumière, elle vient de là, du coup, tout ça, c'est ton ombre, okay. En fait, tu vois. Donc, on va essayer de te faire rester derrière pour voir ce que ça donne.
Bon, dernière tentative. Si jamais on réussit, je t'afficherai la photo sur ton écran juste après. T'es prête? Ouais. Vas-y. Est-ce que j'en ai... Oh, c'est stylé. J'en ai partout. Bah, du coup, j'espère que la séance t'a plu. On a un peu galéré pour la dernière photo, mais si ça fonctionne, en tout cas, t'as vu le résultat. Ah ouais, faut que je prenne une douche absolument, parce que là, je suis rouge de la tête aux pieds. Voilà, je pense que ça se voit. Chris, il a une formation sur le portrait en 3 vidéos. Du coup, si tu veux la suivre, c'est par ici. Et en plus, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Si t'as aimé la vidéo, si tu mets un petit pouce. Non, si tu veux suivre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Ciao.